Bonjour tout le monde, et en route aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo dans la forêt gourmande et présenter une plante qui est succulente et qui est la Clétonie de Sibérie, Clétonia sibirica. Alors la Clétonie est une petite plante annuelle ou en tout cas si elle se comporte en vivace, elle aura une courte durée de vie. C'est une plante, on le voit au niveau du feuillage, le feuillage est un beau vert, c'est luisant, les feuilles sont charnues. Les pétioles également. C'est une petite plante qui a la possibilité, en fait, la capacité de fleurir abondamment du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Elle va faire comme ça des myriades de petites fleurs, comme on les voit là, qui sont d'un joli rose bonbon. C'est une plante aussi, donc elle est à courte durée de vie, elle est monocarpique, hein, elle va fleurir une seule fois dans son existence, mais comme ça copieusement. Elle a la propriété au niveau de ses toutes petites graines de porter un élaiosome qui est une sorte de nourriture pour les fourmis. Et ce sont les fourmis justement qui vont aller disperser un petit peu partout les graines dans le paysage et qui vont assurer la pérennité de l'espèce. La clétonie va devenir subspontanée, elle va être spontanée dans des secteurs qui l'intéressent en jardin-forêt, dans des endroits d'ombre, de mi-ombre. Et ça va nous donner ce légume comme ça qui va être perpétuel, qui va être permanent. C'est une sorte de pourpier finalement de forêt et on la trouve naturellement dans les montagnes de l'ouest américain, en Sibérie également, et c'est une plante qui est extrêmement rustique, hein, qui va tenir vraiment même avec les hivers les plus rigoureux. Alors la clétonie, à l'image des pourpiers, à l'image de la clétonie de Cuba, compte parmi les meilleures petites salades qu'on puisse produire. C'est vraiment un très très bon légume et on mange toute la partie aérienne, donc ça va être les tiges, ça va être les feuilles, les pétioles, les fleurs qui sont en formation, et ça va permettre soit vous composez directement une salade que faite de clétonie, soit elle va permettre d'agrémenter aussi d'autres feuillages et de faire comme ça un assortiment qui est sympa à manger. On le voit bien, c'est une plante qui ressemble à nulle autre dans les flores qu'on peut avoir en France. Elle va ressembler aux autres clétonies, à la clétonie de Cuba notamment, mais qui est aussi un légume qui est cultivé. Donc, risque de confusion quasiment nul. Les informations nous viennent de son habitat d'origine, donc c'est une plante qui va complètement tolérer les sous-bois qui sont assez ombragés. C'est une plante aussi qui aime les terres qui restent assez fraîches, assez humides, et cependant elle peut tolérer des périodes d'assèchement du sol, notamment au niveau de l'été. Elle va se mettre un petit peu en pause à ce moment-là et elle va redémarrer à l'automne avec les pluies qui vont arriver. Et dans les secteurs qui lui conviennent, on le disait tout à l'heure, dans les secteurs de mi-ombre, d'ombre assez profonde, elle va se pérenniser, elle va s'installer grâce au travail des fourmis, hein, à ce qu'on appelle la myrmécochorie, c'est-à-dire la dispersion comme ça des semences par le travail, l'activité des fourmis qui sont très importantes aussi en jardin-forêt, qui ont un rôle comme ça au niveau de l'écosystème qui est vraiment important, pas que pour la dispersion des graines, hein, mais aussi la fertilité, l'aération du sol, etc. Et ben voilà, la petite vidéo sur la clétonie est terminée. On espère qu'elle vous a bien plu et qu'elle va vous donner l'envie de devenir des cueilleurs, préleveurs aux portes de chez vous. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !